suis roboticienne. Ma recherche porte sur la perception pour la robotique sous-marine. Et cette semaine, avec d'autres laboratoires de France, je co-organise le Sun Meeting. Le Sun Meeting, donc, c'est une rencontre qui a été créée en 2018 à Brest, à l'ENSTA Bretagne, par Luc Jolin. À l'époque, il avait rassemblé tous les chercheurs en robotique sous-marine dans un défi qui était de retrouver la cordelière dans la rade de Brest. Et donc, ils avaient mis plein d'engins de recherche à l'eau avec plein de capteurs. Et ils avaient passé une semaine à ratisser la rade de Brest en essayant de chercher la cordelière avec le DRASM. Ils ont trouvé plein d'épaves. Ils n'ont pas trouvé la cordelière, mais par contre, ils avaient donné naissance au Sun Meeting. Et en fait, ce qui a été intéressant dans cette semaine qu'a inventé l'ENSTA, c'était vraiment que tous les chercheurs sont venus travailler ensemble et ont pu échanger, non pas seulement sur leurs résultats, mais aussi sur leurs pratiques pour obtenir des résultats. Et donc, cet événement permet de regrouper des chercheurs en robotique sous-marine, non seulement de France, mais aussi de l'international, puisque nous avons des collègues irlandais, allemands et anglais. Donc l'université de Limerick est là, l'université d'Heriot-Watt et Geomar pour les Allemands. Alors les journées sont très riches puisque nous avons des sorties en bateau pour que les chercheurs puissent expérimenter leur robot sous l'eau ou en surface. Donc il y a une sortie le matin, une sortie l'après-midi. D'autres équipes peuvent aussi faire des expérimentations dans le port pour tester et ensuite partir en bateau si cela fonctionne bien. Cette manifestation dans le domaine de la robotique sous-marine en France, c'est assez unique. Hein. C'est le seul lieu de rencontre sur la façade méditerranéenne des roboticiens, que ce soit académiques et également des entreprises. C'est l'occasion aussi de voir les manips faites par les étudiants et les chercheurs des autres universités dans la mer, donc de voir les systèmes fonctionner réellement, d'échanger avec eux sur les astuces, des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de discuter lors des autres événements scientifiques comme des conférences plus formelles. Nous travaillons à Édimbourg sur essentiellement l'inspection d'éoliennes offshore. À l'heure actuelle, les inspections se font soit par des plongeurs, soit par des gros bateaux équipés de ROV sous-marins. Donc nous développons des techniques, nous avons des robots autonomes de surface qui déploient des robots autonomes sous-marins qui vont ensuite inspecter. Ça fait 4 ou 5 ans que nous travaillons là-dessus et nous sommes en train de faire deux gros projets en ce moment avec des partenaires industriels. Au sein de l'ENSTA Bretagne, qui est une école d'ingénieurs, nous on est un laboratoire de robotique marine et sous-marine pour l'exploration et la navigation. Et on est ici présent au sub-meeting cette semaine pour rencontrer nos collègues de France qui travaillent sur les mêmes sujets de la robotique sous-marine, pour que les doctorants puissent rencontrer du monde, pour qu'on puisse échanger sur le matériel qu'on utilise, puisque derrière on utilise le même matériel qu'on achète aux mêmes industriels. Et enfin, on est aussi là pour tester notre matériel, faire des expériences, partager les données de ces expériences pour pouvoir ensuite collaborer et changer nos méthodes de recherche. Tu peux expliquer ce que tu fais ? D'accord. Alors là, en fait, c'est ce qu'on appelle des ROV, donc des robots reliés par câble. Donc, on a un ordinateur central dans lequel on va pouvoir tous les brancher pour les piloter en même temps. Grâce à ce câble, on peut avoir un retour vidéo en temps réel, comme c'est le cas avec par exemple ce qu'on nomme les AUV, qui sont des robots alors, sans câble, qui font un peu comme des torpilles, et qui on envoie et on espère très fort qu'elles reviennent, parce qu'on n'a quasiment aucun moyen de reprogrammer après. Là, l'inconvénient, c'est qu'on a le câble qui est ici, qui peut parfois se prendre un peu dans tout, dans des rochers, choses comme ça. Donc parfois, on fait quelques stratégies pour les éviter, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Là, on essaie surtout d'en piloter plusieurs en même temps pour prendre des formations, pour par exemple qu'ils puissent donner plusieurs points de vue sur une scène, enregistrer en même temps et du coup avoir plus d'informations plus tard. Et là, aujourd'hui, le but, c'est d'essayer de les positionner sous l'eau, sachant que sous l'eau, on n'a pas le GPS, donc les systèmes de localisation, c'est assez complexe. Et du coup, on utilise ce qu'on appelle un USBL, qui est un autre outil qui en fait va envoyer une onde sonore et interroger le robot, il va envoyer une autre onde sonore. Et à partir du temps de réponse et de comment on le reçoit, on arrive à déduire sa position. Et là, il est en bas de cette baie ici, on fait comme ça, et c'est elle qu'on teste, puisque l'ornière, il faut la fixer de manière rigide pour une certaine orientation donnée, avec un cap et tout ça, pour pouvoir
connaître dans le repère monde du coup où on est. Mais là, on l'a équipé avec d'autres capteurs qui permettent de reprendre ces mesures-là et de nous donner directement l'information. Donc ça, c'est une bouée qu'on utilise pour localiser les robots. Elle a un transpondeur acoustique qui permet de mesurer la position des robots par rapport à elle. Et derrière, avec un GPS dessus, on est capable de retrouver la position des robots sur la carte. Transpondeur acoustique qui permet de communiquer. Et en fait, il envoie un signal vers celui-ci. Il lui répond ensuite. Et derrière, il a plusieurs récepteurs. Ce qui fait qu'il est capable de déterminer l'orientation d'où vient le message. Et en fonction du temps de réponse, du temps de communication, il est capable de connaître la distance de l'autre robot. Là, en fait, on a les positions des différents robots qui se trouvent sur la carte. C'est eux qu'on va essayer de mettre en formation un peu tout à l'heure. Mais... Et il est où l'autre? Il est sous le ponton. Bah oui, parce qu'il l'a suivi. Oui, suivi, ouais. Bon. Du coup, c'est quoi? Il y a gauche-droite d'inverser, c'est ça? Tiens, vas-y, retire-le avec le cap, c'est plus simple. Ah, bon, ça, c'est le truc qu'on découvre, parce qu'au dernier, on est dans des petits bassins. Et le problème, c'est que les petits bassins, ils ont pas mal d'interférences. Donc, on peut pas vraiment voir comment ça fonctionne réellement. Donc là, on profite d'être ici avec des grands espaces où normalement, il y a moins d'interférences pour voir comment ça se comporte. IVM Technologies est une société qui fait de la stéréophotogrammétrie subaquatique, c'est-à-dire qu'on fait de la reconstruction 3D sous-marine à l'aide d'un capteur que nous construisons dans nos locaux à Marseille. C'est une société qui existe depuis 3 ans et qui est issue du pôle innovation de la Comex. Aujourd'hui, nous avons plusieurs produits, un hydro 100 qui va jusqu'à 100 mètres, un qui va jusqu'à 300 mètres, jusqu'à 1000 mètres et un jusqu'à 3000 mètres. Nous sommes sponsors pour le sub-meeting et nous sommes venus ici rencontrer les chercheurs des universités et mettre un petit peu en avant nos produits qui aujourd'hui sont vendus un peu partout dans le monde. Nous avons aussi profité des essais en mer pour faire des démonstrations et tester nos derniers algorithmes, notamment de localisation via les algorithmes de SLAM. Thank you.
Nous, on est enseignant-chercheur et notre domaine de recherche, c'est la robotique d'exploration sous-marine. Donc, on va concevoir des robots, concevoir des capteurs, et on va opérer ces robots sur le terrain pour récupérer des données. Donc, on travaille avec des données de type image. Et avec ça, on va faire des reconstructions 3D des fonds sous-marins. Donc, l'objectif pour nous est d'avoir une copie numérique, un jumeau numérique des fonds marins. Et dans les travaux qu'on a présentés dans le cadre de ce submeeting, on a déposé au fond de l'eau des cibles et on a mesuré les distances et les angles et les caps qui les relient entre elles. Et ça, ça va nous donner une réalité terrain qu'on va pouvoir comparer avec celle qu'on va mesurer sur la reconstruction 3D de notre jumeau numérique. L'objectif étant que les mesures que l'on va obtenir sur le jumeau numérique doivent être le plus proche possible de celle de la réalité pour avoir un modèle numérique de qualité et donc avoir une idée de l'efficacité des algorithmes que l'on a développés derrière sur côté reconstruction d'images. Donc on met à disposition les données de cette vérité terrain qu'on a mise en place aux autres collègues qui vont travailler pendant le colloque. Et eux, ils vont faire des acquisitions du coup avec leurs robots, avec leurs capteurs. Et ils vont derrière pouvoir utiliser nos données de vérité terrain pour qualifier leurs données. Et tout, l'objectif final, c'est que tout le monde va pouvoir publier ces données de manière ouverte à la communauté mondiale. Et c'est pour ça que les données de vérité terrain sont très importantes, parce que pour une étude scientifique, on en a besoin. Elles sont particulièrement rares, puisqu'elles doivent faire intervenir des plongeurs. Donc, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées. Donc, c'est pour ça que cet événement est vraiment quelque chose d'important, pour qu'on puisse avoir cette possibilité de comparer les reconstructions entre elles, de comparer l'efficacité des algorithmes des différentes équipes entre elles. Ça va donner une idée de ce que l'on peut arriver à faire de mieux aujourd'hui sur les côtés de reconstruction numérique et de jumeaux numériques des fonds marins. Et dans le cadre de nos propres recherches, donc nous, on est venu avec nos capteurs uniquement, donc on les déplace en tant que plongeurs pour vérifier si les paramètres qu'on a mis vont nous donner des données de qualité suffisante pour ce qu'on veut obtenir. Et donc, comme c'est comme ça, bah, on fait des sections autour de la zone, ou aussi on a comme on a la statue de la sirène, on tourne autour de la statue pour pouvoir les reconstruire en 3D. On fait un véritable scan des fonds marins.